Bienvenue à notre dernière rencontre des après-cours en mathématiques pour l'année. C'est un peu émouvant pour moi parce que, on était trois et puis je suis toute seule de l'équipe initiale pour terminer l'année. Le rassurez-vous pour Stéphane, il va bien, mais vous saviez qu'il était à 15% seulement comme conseiller pédagogique, puis avec la fin de l'année scolaire, il est surchargé. Alors, il n'a pas pu se libérer. Je tiens quand même à remercier beaucoup Micheline de s'être gentiment proposée pour m'accompagner. Donc, Micheline, j'aimerais que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Micheline Amar. Je suis nouvelle à l'équipe Choc, secteur anglophone, maths et sciences. J'ai beaucoup travaillé avec Louis cette année, fait que je dis c'est les moins des choses. Et j'aime beaucoup, je viens souvent aux après-cours mathématiques de toute façon. Fait que j'ai pourquoi pas de l'aider. Merci. Okay. Mais merci beaucoup. Puis évidemment, Richard qui est là aussi en soutien irremplaçable. Donc, vous avez l'ordre du jour. On est déjà rendu au point 3. On va faire un retour sur la rencontre du 23 mars. Ensuite, un retour sur les deux derniers webinaires. C'est Martin Francœur qui devrait faire ce retour. Puis un bilan aussi des formations nationales en mathématiques. Ensuite, j'ai marqué intégration mathématiques et sciences. Je pense que c'est moi qui ai mis ça, mais je suis plus certaine. Mais je pense que c'est quelqu'un qui en a parlé à quelque part, je ne sais pas où. Que voilà, j'ai mis ça. C'est toi qui en as parlé. OK, c'est toi qui as mis ça là. OK, je me souvenais plus. Ensuite, les outils numériques, c'est si on a le temps. Ainsi que sujet d'intérêt pour la prochaine année, s'il y en a qui ont déjà des sujets, on avait déjà commencé à en parler au début, avant le début officiel de la rencontre. Puis, évidemment, il va falloir avoir nouvel animateur, animatrice. Juste avant outils numériques, je vais mettre une petite puce vide. Si vous avez des points à ajouter, ça serait à cet endroit-là, parce que les outils numériques, on les fera si on a du temps seulement. Je suis retournée voir la rencontre du 23 mars ce matin. Il y avait une discussion sur les accompagnements mathématiques. Il y en a plusieurs qui étaient pas au courant qu'il y avait ça sur le site du Carrefour. Donc, on avait remis ça à l'ordre du jour un peu. Je ne sais pas si vous êtes allé les voir, si vous avez pris le temps d'y aller. Puis, il y avait des documents sur les corrections collectives. Je sais que ça se faisait beaucoup, beaucoup il y a 2, 3, 4 ans, là, des corrections collectives, mais j'aimerais ça savoir ce que ça se fait encore dans vos centres. Plus tellement, non? Finalement, mais je crois que ça serait bon de le refaire, là. Ben, sûr, moi, j'ai jamais eu la chance en tant que prof non plus de le faire. Puis là, en tant que CP, puis je pense que nous, on a beaucoup d'enseignants non légalement qualifiés aussi là, qui viennent nous prêter main forte. Donc, moi, je commence à y penser sérieusement pour l'an prochain. Je sais qu'on, avec une collègue enseignante, on veut le faire aussi un petit peu pour les sciences. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être mettre en place certains trucs, là, en effet, pour avoir dans le fond, une correction commune. C'est juste pour être sûr que ben, si je passe ma copie à mon voisin, ben, on va avoir la même ou sensiblement la même note, là. Oui, puis pour l'avoir vécu aussi avec des équipes, ça permet de discuter vraiment, de faire un retour vraiment sur la compréhension commune des différents indicateurs, en fait, là. Puis des différentes manifestations aussi des compétences. Je pense que de le refaire régulièrement, peut-être une fois par année, de refaire une demi-journée de correction collective, là, ça peut être quelque chose de vraiment pertinent. Il y avait une discussion là-dessus. Il y avait une discussion aussi sur les échéanciers là, pour les cours de deuxième secondaire, mais je pense que ça s'est un peu aussi élargi pour tous les cours FBC, FBD. Ouais, tous les documents sont là. Peut-être que ça serait quelque chose à remettre éventuellement aussi à jour, parce que ça, c'est les anciennes versions d'évaluation. Je sais que je pense qu'il y a eu des modifications au niveau des grilles. Peut-être, là, je ne suis pas trop au courant de ça, mais je pense que les grilles ont été modifiées. On travaillait beaucoup avec les couleurs, je ne sais pas si c'est encore le cas. Ce n'est pas les mêmes grilles aussi en FBC puis en FBD. Ça, c'est des exemples FBD avec les examens du ministère.
Donc, peut-être aussi à revoir ces documents-là et de voir si on peut les remettre à jour. Parce qu'au début, je pense que chacun des centres faisait des corrections collectives de façon un peu, je dirais pas improvisée, mais c'était pas avec une structure qui était la même partout. Puis ça peut être intéressant aussi d'avoir une structure, de dire comment on mène ça, surtout pour des conseillers pédagogiques qui sont nouvellement en poste. De dire comment on mène ça une correction collective? Comment ça se travaille? Comment ça s'organise? Puis ça peut être aussi intéressant d'avoir des documents là, qui soient mis à jour là-dessus. S'il y a des gens que ça intéresse, peut-être un dossier à ouvrir. Ensuite, il y avait, c'est ça, les différents... les discussions là, par rapport aux échéanciers. Ça aussi, ça va être quelque chose, ça revient souvent, puis on revient souvent un petit peu dans le même pattern de dire, bon, ben là, comment on peut faire pour que l'élève avance plus vite dans un cours? Puis on cherche une façon d'aider l'élève avec l'enseignement plus traditionnel, puis en gardant la même structure que le cours. Sortir du livre, puis sortir du cours, puis sortir des approches, c'est comme des niveaux différents aussi. À un moment donné, il faut peut-être prendre vraiment un recul. On parle plus de cours, on parle plus de livres, on parle plus de sigles. On parle des compétences de l'élève à réfléchir, puis les connaissances de base sur les concepts finalement là, qui ont vu déjà au primaire, puis qui ont peut-être pas bien compris, puis qui ont appris par truc, puis le recours aux procédures là, qui est souvent très, très omniprésent. Là. Je cherche la bonne formule, je cherche la bonne procédure, je cherche le bon truc. Puis les élèves sont beaucoup aussi à la recherche de trucs. Puis il y a peut-être un retour à faire là-dessus aussi. Pourquoi est-ce que les élèves ont de la difficulté dans les cours, en général, plutôt que de baser sur tel concept qui est difficile, comment on va l'enseigner? Fait que ça, c'est quelque chose, là. Puis on a travaillé beaucoup, Micheline et moi, là-dessus cette année. Puis, j'ai travaillé aussi avec Mélanie Tremblay sur ce genre d'approche-là aussi, là, comment on peut modifier l'approche. Que ça pourrait être quelque chose d'intéressant à revoir. On avait aussi une démonstration d'outils mathématiques. C'était OneNote qui avait été présenté par Asdine. Est-ce qu'il y en a qui sont allés voir suite à cette présentation-là? Je sais qu'il y en a qui étaient à cette rencontre parmi vous. Est-ce que vous êtes allé tester avec OneNote? Est-ce que vous les utilisez? Bien, pour ma part, c'est un outil que j'utilise régulièrement. Donc, Azedine a présenté des choses que je ne connaissais pas. Donc, j'avais vraiment apprécié la présentation qu'il nous avait faite. Donc. Parce qu'il y a vraiment quand même beaucoup, beaucoup de... Mm-hmm. d'options, puis c'est très pertinent, mais oui. Probablement pas connu assez. Non, puis pas... les enseignants trouvent que c'est peut-être pas toujours convivial comme outil, mm-hmm. mais une fois qu'on a manipulé, qu'on a travaillé dedans, puis qu'on s'est trouvé une façon d'organiser nos choses... c'est vraiment très, 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 très utile, très pratique. Tu ne perds rien, tout est à la même place. Donc, pour la gestion... Pour OneNote en général? Oui, OneNote en général, mais aussi pour le travail qu'on fait avec des élèves. On pourrait avoir un cartable par élève, faire des suivis... individualisés, surtout que les enseignants travaillent justement en enseignement individuel. Donc, ça pourrait être utilisé de cette façon-là. Correction d'épreuves, la rétroaction. On peut tout faire, tout est à la portée de main là, quand mm-hmm. on utilise OneNote. Puis là, vous l'utilisez beaucoup actuellement avec les élèves? Ben non, pas moi. Il y a certains enseignants qui ont monté la plupart des sigles qui enseignent sur OneNote, mais c'est pas la majorité, là. C'est seulement D'accord. quelques enseignants D'accord. qui l'utilisent régulièrement. Ouais. Puis pour les autres participants, est-ce que c'est utilisé? Est-ce que ça a été utilisé et c'est encore utilisé là, suite avec l'enseignement en ligne et tout? Ou si vous avez utilisé autre chose?
De notre côté, là, c'est très peu utilisé. On utilise beaucoup Teams là, pour toutes ces communications puis transferts de documents, de fichiers. Moi, par contre, c'est sûr que j'ai travaillé beaucoup avec Julien Beauséjour, là. Puis on a eu un cas particulier, là. On ne perd rien avec OneNote. Ce n'est pas tout à fait vrai, là. On a une enseignante en FAD qui a perdu. Elle avait fait cela, une espèce de cartable, ou je ne sais pas trop comment les appeler, mais elle avait plusieurs élèves. Et puis. Pour une raison X, son OneNote a comme disparu, puis on ne l'a pas retrouvé. Donc, il y a un petit danger. On dirait que j'ai comme l'impression que s'il y avait peut-être trop d'élèves à l'intérieur, c'est mon feeling, mais d'un côté, un OneNote n'est pas beaucoup utilisé. Ce qu'on a vu d'intéressant, par contre, c'est vraiment, comme Azadine avait présenté, là, l'espèce de création de formulaire automatique. Là, ça, c'est vraiment intéressant. Ça serait peut-être quelque chose qu'on pourrait apporter, c'est-à-dire on offre un exercice à un élève, on constate qu'il y a des difficultés avec ça, ben, ça va nous permettre de créer une espèce de drill mathématique vraiment simple. Donc, ça, probablement qu'on va le mettre plus en place. Puis, de notre côté, là, on a un enseignant qui profite de la mesure 15.084, si je ne me trompe pas, qui est en train de travailler vraiment plus la plateforme Moodle. Donc, on s'en va tranquillement vers Moodle pour Est-ce que ça le aussi, suivi en ça peut maths. générer des exercices avec des variables aléatoires, mais en ligne? Pas des trucs Exactement. qu'on va imprimer pour donner à l'élève. Exactement. Fait qu'on s'en va plus vers cette technologie-là d'un côté. Super. Je pense que ça faisait le tour sur le tour sur le retour de la rencontre du 23. Bonjour. On était rendu à ton point. Ah! J'avais mis ton point à l'ordre du jour. Retour sur les deux derniers webinaires et court bilan des formations nationales mathématiques. Ouais, Je ne sais pas si tu es prêt tout de suite à y aller. ben oui, c'était fini. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a été une très belle année. On est vraiment content. On a eu cette idée-là parce que ça faisait déjà quelques années qu'on faisait des tournées provinciales, on allait dans les régions et tout, mais pandémie oblige. Alors, on a changé la formule, mais je vous dirais bien franchement que c'est vraiment un succès. On a eu en moyenne 60 participants. On a eu certaines rencontres avec peut-être 50, puis d'autres avec près de 80 participants. Donc, c'est vraiment une formule qui a bien fonctionné. J'ai bien aimé la formule dans laquelle les gens partageaient, où les gens pouvaient échanger d'un endroit à l'autre, d'une pratique à l'autre. D'une région à l'autre avec des réalités très différentes. Ça a été vraiment un succès sur toute la ligne à ce niveau-là. D'autant plus qu'on a abordé des sujets qui avaient été vraiment sélectionnés par la majorité des gens. Quand on parlait, la première formation nationale qu'on a donnée, c'était celle sur les situations qui étaient vraiment réelles, où on pouvait mettre en relief les liens de dépendance entre variables, donc dans une approche vraiment fonctionnelle. Ça a bien été. Puis je vous dirais, ça a culminé comme ça jusqu'aux stratégies de lecture, qui était vraiment un très bel atelier où on a eu des interventions d'une conseillère pédagogique en français, d'une orthopédagogue, l'aspect mathématique, après ça, l'aspect technologique. Ce qui a fait en sorte que sa sortie de ce dernier atelier-là, il est sorti comme trois autres sujets. Alors, les gens ont répondu au sondage pour l'an prochain et on nous a demandé de nouveaux sujets. Et là, présentement, on est à la recherche d'animateurs. Je vous dirais que pour l'instant, ça va bien. Il y a presque une dizaine d'ateliers qui sont déjà planifiés et vraiment certains, dont ceux qui connaissent peut-être Christine Thibault-là va donner des ateliers suite à certaines études qu'elle a faites. Il va y avoir aussi Emmanuel Couture qui va venir donner des ateliers. Myriam Lévesque va redonner un atelier. Même chose avec Catherine Paris qui va revenir. Vous savez, Catherine Paris qui travaille présentement au ministère à la rédaction d'épreuves, elle va venir parler d'un sujet qui a émergé cette année, ben, qui a émergé, je pense que les gens le connaissaient bien,
Mais ça a vraiment fait boule de neige. Les gens se sont un peu aperçus de cette réalité-là. C'est l'espèce de fossé qui existe entre l'élève qui arrive de la FBC vers la FBD et l'élève qui arrive du secteur jeune en FBD. Il y a vraiment un monde, puis pas juste au niveau des savoirs, au niveau de l'approche, au niveau des préalables et tout. Alors, elle va se pencher sur cette question-là. Ça va être assez intéressant. Et on va espérer que ça va bien fonctionner parce qu'on est content que la pandémie s'étiole de plus en plus. Alors, on pense bien qu'on va revenir en présentiel bientôt. Mais on espère aussi que les formations nationales en ligne vont être encore un bon succès. Je pense que c'est une formule qui stimule un peu les réflexions et le partage de pratiques entre les pédagogues. Alors, pandémie ou pas, je pense que c'est quelque chose qu'on va renouveler le plus longtemps possible, tant aussi longtemps qu'on va répondre aux besoins des gens. Le sondage est encore actif, ou peut-être plus, je pense qu'on avait dit jusqu'à la fin mai, mais bref, on a eu plus de 80 personnes qui ont répondu au sondage, donc c'est vraiment très bon. Et alors, on prévoit de répondre pas mal à tout ce qui est dans le sondage, plus les suggestions qui ont été faites par les intervenants. Donc, probablement que d'ici la fin août, septembre, sur le site des formations nationales maths, vous allez avoir tous les ateliers à venir. Et ça va vous permettre de rentrer en contact avec nous, puis de nous dire si vous voulez même participer, s'il y a des sujets qui vous interpellent. Puis vous dire, ah, ben, j'ai des choses à dire justement sur ce sujet-là. Alors, vous allez pouvoir intervenir, puis on va vous inclure dans l'équipe. Parce que l'idée, ce n'est pas vraiment de donner de la formation au sens strict du terme. C'est vraiment de donner un partage d'informations avec, bien entendu, quelques conseils d'experts ici et là. Puis quand je dis experts, je dis des gens qui ont expérimenté des choses concrètes auprès des élèves. Donc, si je résume, Martin, il va encore avoir des formations en ligne comme ça s'est produit cette année, mais il va avoir aussi des formations. Un centre de service scolaire peut t'inviter ou inviter des animateurs pour venir donner des formations sur place. Oui, tout à fait, parce que vous savez que les formations nationales maths sont issues vraiment de l'équipe choc. Donc, l'équipe choc pédagogique se déplace. Il va toujours y avoir ce service-là quand on pourra se déplacer. Mais les formations telles qu'on les a faites cette année, ils vont rester, sont là pour rester même au moins 2 ans, puis on verra pour la suite. Mais c'est sûr que moi, je vous le dis, que je travaille très fort auprès de Québec pour maintenir les sous, les subventions, pour pouvoir continuer de soutenir le réseau de cette façon-là. Parce que je l'ai mentionné à plusieurs reprises, c'est très difficile d'aller chercher un atelier avec 80 personnes. Perso, je n'ai jamais eu ça, à part dans les conférences d'ouverture que j'ai déjà données à la QFGA ou des trucs comme ça, où là, tu t'adresses vraiment à tout le monde. Mais sinon, un atelier dans lequel on a autant de participants, c'est très difficile à faire en présentiel. 80 personnes, j'ai ça quand j'ai fait 3 régions administratives. C'est pas en une seule fois. Mais en plus de ça, c'est que ça amène vraiment, ça dynamise le réseau. Puis les gens apprennent à se connaître d'une région à l'autre. Ça diminue l'étendue du Québec. Alors, ça permet aussi d'avoir des formations ponctuelles, dans le sens que, tu sais, quand tu te déplaces, tu vas aller en Abitibi une fois dans l'année, puis tu vas tout donner en une seule fois. Là, les gens de l'Abitibi, ils peuvent avoir des formations plusieurs qui sont réparties dans le cours de l'année. Là. Oui, puis avec la préférable aussi pédagogiquement. Là. Oh oui, tout à fait. Puis avec la formule d'enregistrement que Richard fait avec le montage qu'il nous fait par la suite, ça permet de rediffuser ensuite de ça sur le web. Et ceux qui n'ont pas vu peuvent aller revoir. On va peut-être cette année essayer d'étendre les plages horaires pour
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivaient, qui me disaient « Ah, je suis pas libre les jeudis matin, je suis en ligne avec les élèves, donc je peux pas y participer. » Puis, bien, ils allaient voir la rediffusion, mais c'est pas pareil quand tu peux y assister et participer. Donc, on va essayer d'élargir les plages pour aller chercher le plus grand nombre. Mais cette formule-là est vraiment intéressante. Donc, le bilan est vraiment positif? Oui, le bilan est très positif. Je pense que ce qu'il va falloir maintenant voir, du moins les perspectives d'avenir, ça va être de s'associer à un plus grand nombre d'intervenants. Parce qu'on se rend compte de plus en plus avec les besoins particuliers des élèves qu'on doit jaser avec des orthopédagogues, qu'on doit jaser avec des enseignants de français, qu'on doit jaser avec d'autres intervenants pour circonscrire les interventions pertinentes auprès des élèves. On n'enseigne plus les mathématiques par un prof de maths simplement. Il y a beaucoup d'autres choses auxquelles il faut tenir compte. Je fais juste référence aux multiples interventions que tu as données, Louis, cette année, qui étaient vraiment intéressantes, dans lesquelles tu faisais même une activité qui était modélisée en prenant un participant. Parce que, bon, ben voici l'activité qu'on a faite. Et en modélisant de cette façon-là, on était un peu dans la peau d'un élève ou dans la peau d'un enseignant qui accompagne un élève en ligne. C'était une autre façon de faire. C'était intéressant. C'est sûr que les ateliers, main sur les touches, comme on a déjà vécu par le passé, c'est toujours intéressant. Mais ça a quand même maintenu un bon niveau d'expertise malgré la tempête. Moi, c'est un succès qu'il faut maintenir. Oui, je suis d'accord aussi. Oui, Micheline? Oui, moi j'aimerais rajouter à ça, ça donne plus aussi ce type de formation, la chance à plusieurs profs de participer versus d'habitude les centres peuvent envoyer un ou deux. Maintenant, tout le monde peut y participer. De plus, la façon que même ce que tu viens de dire, Martin, que Louise le démontre d'une façon numérique, ça donne une autre stratégie aussi aux profs de montrer. Il y a des profs que c'est plus manuel, des profs plus, disons, découvre à ta façon. Puis, il y a beaucoup d'élèves aussi qui sont plus numériques. Fait que comme ça diversifie l'apprentissage aussi. Puis, on peut répondre à un plus grand nombre. Fait que j'aime ça que dans la même formation, il y a plusieurs stratégies démontrées de cette façon. Puis ça aide le prof qui n'est pas très confortable, disons, dans certaines compétences numériques, de voir un modèle, de pratiquer avec quelqu'un qui connaît ça bien, puis de voir le contexte théorique d'un expert aussi qui le met, comment je vais l'utiliser dans ce chapitre, dans cet apprentissage. Fait que peut-être en faire plus de ça, ça sera super, oui, c'est sûr. Et puis, il y a eu des retours là-dessus. Juste comme je dis, il y a deux enseignantes de deux endroits différents qui, suite à ces rencontres-là, une qui me l'a carrément dit, là, que c'était suite à cette rencontre-là qu'ils ont demandé. Une des deux, c'était pour des trucs avec GeoGebra, puis un autre, c'était des trucs avec GraphBubble, parce qu'ils ont vu comment on travaillait, puis ils sont dans en train de monter des activités pour les élèves avec ces outils-là, parce qu'ils ont suivi les formations, puis c'était quelque chose qui les a comme... enligner un peu sur ces outils-là pour travailler avec les élèves. Donc, je vois sur le terrain là, que j'ai pas eu beaucoup, beaucoup de personnes, mais il y a quand même quelques personnes un peu partout qui sont revenues avec qui sont venues pour travailler avec ces outils-là suite aux formations. Je me demandais, Martin, si on voulait aider à élaborer une formation ou quoi que ce soit, avec qui on communique? Directement avec moi. Écris-moi. Okay. Écris-moi. Mélanie, tu as mon courriel, alors écris-moi s'il y a des sujets qui t'interpellent, je pourrais voir si on traite ce sujet-là. Si on traite ce sujet-là, ben, je t'incorporerai dans une équipe et tu pourras discuter avec nous. On fait tout le temps peut-être une rencontre ou deux avant la présentation. On discute, on partage, on crée un drive dans lequel on partage nos choses. Et si c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, à ce moment-là, on pourra relancer un autre atelier. Il suffit juste de voir avec Richard les plages qui sont disponibles puis comment on peut faire notre horaire. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de limite à ça. C'est que s'il y a des sujets qui interpellent un grand nombre de personnes et qui peuvent être abordés et discutés en groupe, à ce moment-là, on l'offre. On a eu des sujets qui étaient moins,
qui interpellaient un moins grand nombre de personnes, comme par exemple les conjectures, les démonstrations. On a eu une dizaine, une vingtaine de participants, moins que lors des grandes rencontres, mais c'est un sujet qui a quand même qui interpellait des gens. Mm. Il y a beaucoup d'enseignants qui disaient « Ouais, mais je ne sais pas trop quoi faire avec ça, il y en a de plus en plus dans les nouveaux examens, comment je vais travailler ça? » Bon, ben parfait, on partage nos idées sur ça. Peut-être que le sujet va revenir un an ou deux plus tard avec plus d'intérêt, mais oh oui, si tu as de l'intérêt, Mélanie, à participer, écris-moi, puis je te ferai signe dès le début de l'année, là, donc fin août, septembre. Tous ceux qui vont m'avoir écrit, je vais vous relancer pour vous montrer le plan global. Puis si vous voulez, vous avez des choses à dire sur les sujets, bien, à ce moment-là, je programmerai, puis je ferai en sorte que vous soyez présents, puis que votre nom apparaisse dans la description pour que vous puissiez faire votre intervention le moment prévu. Parfait, merci beaucoup. Oui. OK, on était maintenant... merci, Martin. Ça fait plaisir. On était au point que Micheline avait apporté, l'intégration mathématique et sciences. Mm-hmm. Ben, ce point-là, c'était un gros point d'exclamation parce que j'ai enseigné les deux, puis j'ai eu toujours des remarques de chaque, classe, disons en sciences ou en maths, qu'ils ne faisaient pas, disons, le lien que les maths qu'ils apprenaient en maths, c'est les mêmes maths qu'on utilise en sciences. On dirait que c'est comme deux... Ils le mettent comme ils le catégorisent dans leur cerveau comme silo, tu sais. Et c'est drôle parce que cette année, mon garçon est en secondaire 4, puis dans la façon qu'il pense, c'est la même chose. On faisait des exercices en sciences, puis il me disait que « Non, maman, ça, c'est pas des maths comme les maths. » Moi, je regarde, « Mais oui, c'est des maths. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est pas des maths? » Et qu'il me disait « Non, on n'apprend pas les mêmes maths. » Je dis « Ben oui, tu apprends les maths en maths, pour être utilisé en sciences, puis pour être utilisé dans d'autres cours, pour utiliser dans la vie, si tu veux acheter quelque chose, tu disais maths. » Puis pour lui, c'est comme ça faisait pas de sens. Fait qu'avec, j'ai eu des discussions avec d'autres profs. Je dis, est-ce que vous sentez la même chose? Puis il y a beaucoup de profs, ils ont dit oui. On recommence à reviser des maths avant de faire les sciences parce que les élèves ne font pas la connexion. Fait que cette discussion a mené... il y avait des conseillers pédagogiques qui m'ont dit, mais pourquoi on ne fait pas, disons, comme un genre de... On peut prendre un niveau comme secondaire 3, secondaire 4, puis regarder les sciences et les maths, puis mettre, disons, des exemples de sciences dans les cours de maths où on ne regarde pas, disons, nécessairement la théorie derrière, mais on fait juste les maths, puis on reprend ces mêmes exacts... problème, et on les relance en sciences, mais maintenant, les élèves sont assez forts pour faire les maths, mais maintenant, ils vont comprendre les sciences derrière. Mais de faire cette connexion, comme de vraiment travailler ensemble, fait que ça m'a vraiment frappée. Je dis, ça sera peut-être un projet qui sera vraiment intéressant, surtout, disons, si on regarde le secondaire 3, là, les maths de secondaire 3, la géométrie, c'est un cours que tout le monde a beaucoup, beaucoup de difficultés avec. Mais maintenant, on a les sciences de secondaire 3 aussi, que ça sera super bien de les connecter, surtout si on regarde, disons, par exemple, le côté perspective. Quand on regarde ça en maths, on fait des schémas, mais on ne sait pas pourquoi on fait ça, mais on les fait parce qu'il faut le faire, c'est géométrie. Mais si on prend, disons, des contextes de science de 40-60, disons, puis on le met dans les maths de géométrie de secondaire 3, on n'a pas besoin peut-être d'aller plus en profondeur du côté science, mais on met le contexte comme tel, puis disons, la minute qu'il remet d'un côté vers l'autre, il y a une connexion que oui, je l'ai vu en maths. Ah oui, je l'ai vu en sciences. Ah, bien, c'est pour ça peut-être j'apprends les maths. Mais si on le fait dès le début, peut-être cette connexion va être bâtie, que quand il arrive en 4, en 5, surtout chimie physique, là, quand ils ne peuvent pas isoler une variable, peut-être ça peut se régler naturellement après. Mais à l'instant, c'est une grosse... Moi, je trouvais quand j'enseignais la physique, il fallait que je recommence des notions de base, isoler une variable. C'est pas supposé, je veux dire, t'es rendu en secondaire 5, c'est pas supposé d'être à reviser, mais on le revise pareil. Et comme tu dis, les ordres d'opération, des choses, les lois des signes, des choses vraiment de base qui, je m'excuse, secondaire 5, là. Fait que peut-être,
je ne sais pas si qu'est-ce que vous en pensez, mais d'avoir peut-être un dossier, de prendre juste un niveau, puis de faire ce travail-là, je pense que ce sera très intéressant de voir, peut-être mettre juste quelques activités clés en main pour donner une idée au prof ou bien quelque chose qu'on peut faire ensemble pour que les profs s'inspirent ou même pour aider les élèves de voir cette connexion que peut-être ne le font pas naturellement. Il y avait Mélanie qui veut intervenir. Mmh. Ben, ce que j'allais dire, c'est quand j'étais au secteur jeune, là, moi, je l'ai travaillé en deuxième secondaire, le lien maths-sciences. Je ne l'ai pas fait pour les autres niveaux, mais je pense aussi, comme toi, Micheline, qu'il y a vraiment beaucoup de liens à faire. Et ça fait aussi comprendre aux élèves que les mathématiques, ce n'est pas juste dans leur cahier d'activité, c'est dans la vie de tous les jours, c'est dans plein de choses qu'on fait et c'est aussi dans d'autres cours qu'on a à suivre. Puis, je pense que de faire ces liens-là, c'est important. Puis, ça vient asseoir les concepts d'une meilleure façon. Donc, moi, je serais intéressée à participer, à monter quelque chose comme ça. Ma formation de base est en sciences, donc c'est sûr que j'ai un intérêt là-dedans. Puis, je pense que pour les élèves qui veulent aller vers les sciences nature ou autres au cégep, même sciences humaines avec des maths, il faut avoir ces concepts-là, là, puis être capable de faire les liens. Fait que, ouais, moi, je serais bien d'accord. Ouais. Je me souviens, quand j'enseignais, il y avait une élève qui faisait ses expériences en physique, puis qui construisait son graphique, puis que là, elle m'avait regardé, puis elle m'avait dit: mais c'est à ça que ça sert, les graphiques. Parce qu'on avait fait en mathématiques, mais on ne savait pas pourquoi on faisait des graphiques. Mais quand on a fait en sciences, puis là, c'était là que j'avais eu l'idée qu'il faudrait faire aussi des labos de mathématiques. Parce que les mathématiques, ça reste très dans le livre et tout. Mais faire des collectes de données réelles, puis des calculs réels avec du vrai matériel et tout ça en mathématiques, ça donne du sens aussi. Là. Puis tu sais, comme tu disais, Micheline, d'enseigner les concepts mathématiques, mais avec des contextes de science, sans mettre la théorie, mais même on pourrait aller plus loin en intégrant les deux disciplines. Mm-hmm. Quand on enseigne une notion de physique, on enseigne en même temps les notions de mathématiques qui vont avec. Puis là, c'est vraiment l'intégration des matières. Puis ça, je pense, l'intégration des matières, Martin, tu pourrais peut-être me reprendre là-dessus, mais il me semble que quand on a commencé à travailler sur le nouveau programme, ça faisait partie des objectifs du nouveau programme. Ça a été mis de côté parce que c'est compliqué à faire, surtout au secteur des jeunes. Peut-être que c'est plus compliqué à faire, mais au secteur des adultes, c'est quelque chose qui pourrait se faire peut-être un peu plus facilement parce qu'il y a beaucoup d'enseignants de mathématiques qui sont aussi des enseignants de sciences. Puis ouais. C'est plus facile de jouer sur les horaires des élèves et tout, de briser les groupes, puis de former des petites équipes et tout, ce qui est beaucoup plus compliqué à faire au secteur des jeunes. Ouais. Bien, c'était notre vœu pieux. Hein? Quand on a commencé même la FBC en 2007, on parlait beaucoup de multidisciplinaire, on voulait beaucoup travailler puis collaborer dans différents intervenants, différents champs, mais on a été vite rattrapé par le type d'épreuve. Mm-hmm. Puis comme on évalue tout le temps avec une épreuve, une note, c'est difficile de se laisser aller puis de collaborer pour pouvoir... si on avait plus de latitude au niveau de l'évaluation, j'imagine... Ça fait des années qu'on parle d'une évaluation genre 40-60, là, un 40% qui serait fait en classe et un 60% en salle d'examen, mais c'est pas encore dans les plans. Là, je travaille sur un nouveau comité là, au secteur, avec le secteur jeune, mais ça reste somme toute encore un comité. Là, on parle plus d'évaluation en ligne, un peu plus de collaboration, mais ça reste encore dans une perspective d'une épreuve, une note, malheureusement. C'est sûr que quand l'évaluation suit, c'est un peu plus facile.
de faire des liens. Mais ça n'empêche pas de les faire quand même. Mais ça reste plus difficile. Je dirais que par expérience, j'ai souvent fait des tâches complexes qui étaient issues des sciences, même des sciences physiques qui étaient de deuxième secondaire. Je prenais des exemples de deuxième secondaire, puis je le faisais vivre en quatrième au secteur adulte. Puis il y a beaucoup de profs qui disent « Oh, je suis pas à l'aise avec ça ». Je pense que si on donne des ateliers où on présente des exemples concrets, ça pourrait peut-être ouvrir, par contre, le champ des possibles. C'est quelque chose, je pense, qui est à découvrir. Il y a beaucoup d'enseignants qui pourraient dire « Ah, ben il y a moyen… » Surtout quand on étudie les fonctions, tu parlais des graphiques et tout, c'est tellement facile d'étudier l'ombre pour un élève de deuxième secondaire ou de troisième secondaire. Si les élèves de deuxième secondaire étudiaient des proportionnalités à l'aide de systèmes vraiment physiques, comme par exemple l'ombre, la grandeur du ombre versus la distance de l'objet par rapport à la source lumineuse, je suis sûr qu'on aurait beaucoup plus de facilité à faire intégrer les fonctions affines quand on arrive en troisième secondaire. Là, en deuxième secondaire, on nage dans l'abstrait, toujours dans l'abstrait, avec des formules, de l'algèbre, des variables, des constantes. On est dans un... J'ai comme l'impression que l'élève est en train d'apprendre une nouvelle langue. Puis quand il arrive en troisième secondaire, là, on lui demande d'appliquer sa nouvelle langue. Je ne suis pas sûr, nous, qu'après un an scolaire d'espagnol, on pourrait bien fonctionner dans un pays. Commander des tortillas. Hein? Oui, c'est ça. On a servi ça. On serait assez limité, effectivement. Oui, Micheline. Oui, mais Martin aussi, pour ajouter sur ce que tu viens de dire, maintenant aussi, les évaluations de sciences, surtout, ils vont changer encore. Ils vont changer du côté comme la façon qu'ils vont être évalués. Il va y avoir beaucoup de justifications, beaucoup d'explications. Fait qu'on peut même ramener le français, même les cours de français, les cours d'anglais là-dedans. Fait que ça devrait être un cours multidisciplinaire, comme tu dis. Parce que la façon qu'on évalue en français, que ce soit, je ne sais pas, tu commandes des tortillas ou bien que tu fasses une expérimentation de physique, c'est juste un contexte, mais la façon d'expliquer, c'est la même. Fait qu'on peut, tu sais, je veux dire, à la fin de la journée, on fait deux pour un, comme une variété. Non, je suis d'accord avec toi. Il y a quelque chose. C'est clair. Il y a des choses qui nous échappent. Moi, j'ai toujours dit, mes enfants me disent toujours, t'aimes toujours ce que tu fais, papa? Je dis oui, j'aime ça, parce que j'ai comme l'impression que j'ai pas sondé le mystérieux. Puis je comprends pas que des choses qui nous apparaissent aussi simples à nous puissent être aussi complexes pour les élèves. Alors, je vais continuer encore longtemps à essayer de trouver des façons pédagogiques de transmettre ces savoirs-là, c'est trop important pour une société qui est saine, surtout une société qui doit vivre de plus en plus avec des concepts scientifiques. Oui, apprendre à réfléchir au lieu d'appliquer des procédures. Ouais. Ben merci, Micheline, c'est vraiment comme pertinent. On a un autre dossier en cours pour l'an prochain. Donc, sujet d'intérêt pour la prochaine année, on est déjà pas mal là-dedans. Est-ce que vous avez d'autres points où vous voulez voir les outils numériques? Je peux juste aller comme rapidement là, dire ce que c'est. Je vais faire quand même écran partagé juste pour mettre un peu, remettre dans le contexte. C'est des outils souvent qui ont été demandés cette année. Le premier, Whiteboard.chat, vous voyez que l'anglais, c'est pas ma force. Ce sont des tableaux blancs collaboratifs. On peut s'en servir pour enseigner, où les élèves vont avoir chacun leur tableau et l'enseignant va voir les tableaux de tout le monde, ou on peut s'en servir pour collaborer, soit entre équipes d'enseignants ou entre équipes d'élèves ou enseignants avec élèves. J'ai ouvert la collaboration. Quand on fait collaboration, ça me donne un code.
pour lequel je peux inviter tout le monde. Donc ici, si je copie le lien, je le mets dans le clavardage. Il est là, dans plus discussion. En mettant discussion comme ça, je vois les participants arriver. Puis là, ben, chacun peut écrire dedans. On peut avoir plusieurs pages. Je peux avoir plusieurs pages ici. Puis dans chacune des pages, ben, vous avez la possibilité d'avoir des crayons, d'avoir des différents outils, des outils mathématiques, évidemment, des calculatrices. Puis si on va dans la petite palette de couleurs, là, comme les peintres ici, là, il y a plein d'autres outils. Il y a beaucoup, beaucoup d'outils. Ici, je suis avec les outils de mathématiques, mais il y a toutes sortes d'autres outils. Je peux aller chercher des objets, de la monnaie. On peut aller chercher des fois, si on va avoir des images là, de pièces de monnaie et tout, des trucs en chimie, en physique. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. On peut mettre des pages web, on peut mettre... puis on peut aussi parler, puis ça va écrire. Donc, il y a la synthèse, la dictée vocale, la synthèse vocale. Pour les élèves qui ont des mesures d'adaptation, ça peut être utile aussi. Chaque personne qui écrit, là, je vois qu'il n'y a personne qui écrit, mais si, ah, peut-être dans le premier. Voilà. Fermez ça. Donc, chaque personne ici qui écrit a sa couleur. Fait que c'est un outil quand même à explorer. Moi, je sais que je l'avais proposé à un enseignant avant les fêtes, puis c'est vraiment, j'en avais proposé plusieurs, puis c'est celui sur lequel il s'est arrêté. Fait que c'est quelque chose, si vous avez besoin à un moment donné d'un tableau blanc collaboratif, ça peut, je pense que c'est à peu près le meilleur là, qu'il y a actuellement là, de disponible. Évidemment, il est tout en anglais, ça c'est un petit peu un problème pour ça, mais bon, ça fait de l'intégration des matières. Voilà, on va dire ça comme ça. On va prendre les termes en anglais. Ça, c'est le premier outil. Puis... ouais, ici, il y a des dés. Je ne sais pas si c'est quelqu'un. Non, des fractions qu'on peut mettre en aléatoire. On peut avoir un dé. Si on avait cherché ça. En fait, on était parti du dé quand je suis tombée là-dessus. C'est dans les outils. C'est dans les outils qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, bref, c'est à explorer. On s'est amusé avec un petit groupe, là, dont Micheline, pendant peut-être quasiment 2 heures. Essayer toutes sortes de trucs. Essayer aussi le... Ici, dans nos documents qu'on a faits, ils vont se enregistrer au fur et à mesure, sauf qu'ils ont une date d'expiration. Ils sont bons pour 1 mois, ce qu'on a fait. Fait que si vous voulez le conserver, il y a soit, vous dites, j'ai encore besoin de travailler dessus, vous faites juste le remettre, le réactualiser pour 1 mois. Il ne faut pas oublier de le faire. On peut le télécharger en PDF aussi, si vous voulez juste garder des traces de ce que vous avez fait. Sinon, ben, si on veut avoir un plan de garder tous nos documents pour plus longtemps, ben, à ce moment-là, on peut payer. Que, voilà. Le deuxième outil, c'est dans les outils, je ne sais pas si vous connaissez la digitale. Ce sont des outils, un groupe d'outils, en fait, une espèce de bouquet d'outils. C'est libre, c'est français, puis il y a beaucoup, beaucoup d'outils puis qui sont en développement. Puis c'est des outils aussi, je crois, qu'on peut mettre en local sur un serveur de centre de services scolaires. Celui que j'aime bien, c'est DigiScreen. C'est un tableau blanc interactif, mais pas collaboratif. Il est interactif, c'est-à-dire que c'est comme finalement Smart Notebook. Puis, on peut, il n'y a rien qui s'enregistre aussi en ligne. On enregistre nos documents sur notre ordinateur. Si je veux aller chercher ceux que j'ai déjà faits, je vais aller les chercher. Je les ai déjà enregistrés sur mon ordinateur. Donc, si je vais en chercher un, je l'ouvre. Là, vous allez le voir ici. Je peux avoir plusieurs pages aussi. Puis chacun des contenus, je peux les remonter puis les afficher. Là, ici, j'ai mis un feu rouge comme ça. Ici, c'est quoi j'ai mis? Un trapèze. OK, c'est un lien vers une autre activité. Je peux avoir des contenus intégrés ici. Là, je l'ai remonté. Fait que là, j'ai une page web, mais il est intégré dedans.
Puis je peux mettre, par exemple, un chronomètre. Je peux mettre un sablier. Vous dites, je dois parler pendant pas plus que 4 minutes, fait que je vais mettre 4 minutes. Puis là, il y a un compteur qui va s'afficher tout le temps à l'écran. Donc, vous pouvez préparer tous vos documents. Ça peut être des pages web, des YouTube, des vidéos aussi de votre que vous avez écrit puis que vous avez mis sur votre ordinateur, des images, peu importe. Vous pouvez mettre tous vos documents ici. Puis, ça peut être des PDF aussi, des dessins. Vous avez aussi les outils d'annotation comme avec, Notebook. Là, où vous pouvez écrire des choses. Bref, il y a plein d'outils, même des petits bravos. Fait que ça peut être quelque chose d'intéressant quand vous donnez un cours. Puis là, je l'ai présenté à quelques personnes, puis il y a une conseillère pédagogique avec qui je travaille qui s'en sert pour présenter son bilan à ses gestionnaires. Elle a tout monté, tous ses trucs comme ça, puis elle a 5 minutes. Elle met son code, 5 minutes, puis elle présente tout son bilan de l'année avec cet outil-là au lieu d'utiliser un PowerPoint. Donc, c'est une option qui peut être intéressante aussi pour faire des présentations. Voilà, c'est les deux outils. Pour digital, je vais mettre le lien. Là, il y a une vidéo qui est très, très bien faite pour G-Screen, là, qui est faite en français, qui présente l'outil. Et voilà, c'était les deux outils que je voulais présenter. Donc, on a presque... Bon, il reste 10 minutes. Je ne sais pas si vous avez encore des points à ajouter. Il y avait le point d'animateur, moi, qui m'intéressait. Oui, bien, c'est ça. Là, je voulais terminer avec ça. OK. Le poste est ouvert pour l'an prochain, d'avoir un animateur ou une animatrice des après-cours. Pour une partie de l'année, je vais pouvoir rester là pour la partie technologie. Richard est toujours là l'an prochain aussi pour pouvoir ouvrir, s'occuper de toute la gestion, là, d'ouvrir la salle, d'accueillir les participants, d'aider aussi pour... il fait tout le montage après. Il n'y a rien de ça à faire. C'est juste, en fait, de relancer une semaine avant. D'envoyer aussi un message dans le forum comme quoi que quand la vidéo elle est publiée et de voir à l'heure du jour, de placer les points et d'animer. Donc, si ça vous intéresse, le poste est ouvert. Si vous connaissez des gens qui seraient intéressés, normalement, d'avoir un animateur, un co-animateur, ça peut être une bonne chose s'il y en a un des deux qui doit s'absenter. On n'attend pas nécessairement de rencontre tout de suite. On va relancer. Mais si vous connaissez des gens ou si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Vous communiquez avec Richard. Puis on va ouvrir tout de suite, je pense, le nouveau document où on écrira peut-être... je pense qu'on pourrait déjà ouvrir le nouveau document à la fin de l'année pour des sujets pour l'an prochain. Sans nécessairement qu'il y ait les dates, mais on va dire les sujets qui pourraient être pertinents pour les rencontres des après-cours. Puis ce que vous envisagez aussi, est-ce que vous voulez avoir une autre formule? En fait, c'est une rencontre pour vous, c'est pas nous qu'on impose notre façon de procéder. Si vous voulez avoir une autre formule pour travailler les après-cours, c'est vraiment un outil de collaboration. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va ouvrir un autre document. Je pense que c'est Richard qui fait les documents. Puis on mettra le lien document pour l'an prochain, mais en attendant, on pourrait déjà mettre des suggestions de sujets ici. Oui, puis je l'ai transféré dans le nouveau document. Je suis capable d'écrire en même temps. Peut-être on pourra commencer par ton point, Hugo. Tu te rappelles au début, tu disais, tu parlais d'une formule pour évaluation collective. Peut-être mettre en quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Qu'il y aurait les corrections collectives. Donc, merci beaucoup pour votre participation à cette dernière rencontre des après-cours, puis on espère vous revoir l'an prochain.